n'est pas de prier chaque jour. Prier, c'est un autre objectif à atteindre pour le ciel, le paradis, pour ceux qui iront. J'espère ne pas vous trouver en enfer. Alors, la communauté... On m'a dit qu'elle sera en enfer, donc j'espère que vous qui priez beaucoup, vous ne serez pas là-bas. Priez beaucoup, vraiment. Moi, il sera en enfer, il n'y a pas de souci. Mais j'espère pour vous qu'on ne sera pas là-bas ensemble. Parce que ce serait dommage de vous battre autant et de me retrouver là-bas. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Moi, je n'ai fait aucun effort dans les CDA. C'est un peu comme quand le dernier de la classe va voir les résultats du bac, il va à l'état en serein. C'est le seul qui ne panique pas. Donc quand il arrive devant la liste, il ne panique pas, il est là. Quand il voit les gens rentrer, il dit, gars, tu as fait comment? Ah, ok, ok, gars, d'accord. Il arrive, il regarde. Il dit, ah, ok, d'accord. Ne panique pas. C'est toi qui as trop étudié qui panique. Tu paniques trop. Tu cours, le cœur bat. Est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'on n'a pas confondu ma feuille? Pourquoi on va confondre ta feuille? Pourquoi c'est toi dont on confond la feuille? Pourquoi? Donc, quand un gars sait que lui n'a rien fait pendant l'année, lui sait qu'il ne va pas passer. Les trucs qu'on attend à la radio à 23h, là on fait les SMS, il dépense l'argent. Pourquoi dépenser l'argent? Pour que tu envoies les SMS, tu attends. Est-ce que ce sera succès ou échec? Non. Il n'y a pas eu. Ça sert à rien. Tu vois, donc moi, il sera en enfer. Il sait déjà. Mais j'espère que toi qui pries chaque jour, toi qui as les genoux foncés là, si tu te trouves là-bas, on va rire pendant l'éternité. Je vais dire que, gars, dont les genoux foncés là, c'était pour venir ici. Mieux on mange une bombe sur la terre comme on a eu à faire. Mieux on mangeait la vie. Ça sert à quoi de se priver? Mettre les genoux par terre pour finir en enfer. Ça sert à quoi? C'est dommage, hein? Là où j'ai envie de demander, quand le porc meurt, il part où? En enfer ou au paradis? Parce que vous pensez qu'il n'y a que vous qui avez une vie. Hein? Le porc aussi, lui, il tient à sa vie. Est-ce qu'il y a le pasteur des porcs qui est déjà en train de préparer la messe de demain? Il est en train de dire au porc de la ville, on se retrouve demain en Bokada, Carrefour Isakam. À partir de 10h pour la messe. Le porc qui ne sera pas là, il sera égorgé en décembre. Ce monsieur de Jésus. En tout cas, ce qui me plaît avec ce monsieur de Jésus, c'est qu'il a créé une communauté magnifique avec son père. Son père et lui. Bon, on nous a dit que c'est la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que les trois font un. Mais c'est une holding. Comme le cabinet Jules Holding. Vous voyez que même lui, il a pensé à ça 2000 ans avant. Donc, on doit s'inspirer de lui. Parce que c'est lui qui a créé le premier canal de distribution le plus puissant qui existe 2000 ans après. 2000 ans après, ça existe toujours. L'Église catholique. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'Église catholique?